Nous avons tous une chose en commun. Nous sommes des humains. Cela signifie que nous devons passer par des moments heureux, des douleurs, des déceptions, etc. Tout ce que nous avons à faire est d'être de bonnes personnes, parce que tout peut arriver à n'importe qui. Elle s'appelle Godeliva, une dame qui a souffert et a traversé beaucoup de douleurs à la fois. Sa fille s'appelle Maria. Elle dit que sa fille dort comme ça depuis 18 ans. Il y a très longtemps où elle a entendu un mot venant de sa fille. Elle ne peut plus parler, s'asseoir, se tenir debout, ni même bouger son corps. Pendant les 18 ans de sa vie, c'est comme ça qu'elle a vécu. Sa mère a essayé tout ce qu'elle pouvait pour changer la situation, mais en vain. Mais ce n'est pas tout. La mère de cette fille, du nom de Godeliva, a été abandonnée par tous ses maris. Quand je dis mari, je ne parle pas d'un homme ou deux hommes. Je parle de trois hommes qui ont été tous avec elle. Mais ils l'ont laissée tous après un certain temps. Elle ne les a pas eu tous en même temps. Ils sont partis l'un après l'autre, après avoir fait des enfants avec elle. Maintenant, elle a sept enfants, dont tous des pères différents. Ils ne veulent plus rien savoir de leurs enfants. Elle a dû travailler le plus dur possible pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants, ce qui n'a jamais été facile. Aujourd'hui, nous sommes au Burundi, où Godeliva vit avec ses enfants. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater de la sortie de nos prochaines vidéos. Elle vend des bonbons dans la rue et mendie aussi de l'argent. Nous avons dû nous rendre chez elle pour découvrir son histoire. Et elle va tout nous raconter depuis le début. Elle avait un mari au départ. Ils étaient amoureux, enfin d'après ce qu'elle nous dit, parce que celui-ci n'est plus là. Ils ont partagé tout ce qu'ils avaient avec plaisir et donné naissance à un enfant. Ils étaient très heureux parce que ce bébé était normal et tout allait bien. Un an plus tard, elle a donné naissance à un autre enfant. Cela semblait normal au début, mais très vite tout a changé à l'improviste. Cet enfant s'appelle Maria et c'est elle que vous voyez. À seulement 6 jours de naissance, l'enfant a commencé à pleurer la nuit. Elle avait de la température. Il ne savait pas ce qui se passait pendant la nuit et pourquoi elle pleurait chaque jour la nuit. Pas la journée, mais la nuit. Le bébé a continué à pleurer et à pleurer jusqu'à ce qu'il ne pleure plus. Godeliva ne savait pas que c'était la dernière fois qu'elle entendait la voix de sa fille. Elle a porté le bébé durant toute la nuit jusqu'au matin. La première chose qu'elle a faite le matin, c'est de l'emmener à l'hôpital. Et selon elle, c'est à ce moment-là que sa vie a été ruinée. L'état du bébé a commencé à empirer et elle a pensé que Maria allait mourir. Les jours sont devenus des semaines et les semaines se sont transformées en mois et plus tard en années. Maintenant, depuis 10 ans, elle était dans le même hôpital. La tête de son enfant est devenue extrêmement grosse. Les médecins lui ont dit que son enfant souffrait d'une maladie connue sous le nom d'hydrocéphalie, où un liquide s'est rempli dans le cerveau de l'enfant, ce qui rend la tête plus grosse que la normale. Elle était finalement renvoyée à la maison parce qu'elle avait passé beaucoup de temps sans payer les factures d'hôpital. L'achat des médicaments était également devenu impossible. Et en rentrant à la maison, son mari a été choqué quand il a vu le bébé. Il n'a même pas fait semblant d'être heureux. Il a dit qu'il allait tuer cet enfant. Il a dit à Godeliva de tuer ce bébé si elle voulait toujours vivre avec lui. Elle a refusé catégoriquement de faire cela. Alors le mari est parti et n'est jamais revenu. Depuis ces jours, plus de consignes de son mari. Cela fait maintenant des années. Quelques mois plus tard, un autre homme est venu et a prétendu l'aimer. Elle lui a donné une chance. Ils ont eu trois enfants ensemble. Les enfants sont devenus cinq et à ce moment-là, ils ont commencé à avoir des malentendus. Et en un rayon de temps, il l'a également quitté. Un autre homme est venu après. Elle l'a accueilli. Ils ont eu deux enfants encore. Heureusement, ils se sont avérés normaux. Toujours le même scénario. Il a aussi décidé de s'en aller et les enfants étaient devenus sept. Elle était maintenant confuse. Elle ne savait pas quoi faire. Pendant qu'elle portait Maria, une dame est arrivée et lui a dit qu'elle était prête à l'aider avec son traitement. Si Godeliva était prête à faire tout ce qu'il fallait. Pour cela, la dame l'a prise et lui a dit de nettoyer les murs d'une grande institution publique et de couper les herbes autour. C'était beaucoup de travail pour n'importe qui, mais elle a donné toute l'énergie qu'il fallait. Elle a travaillé pendant des jours, du matin jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à ce qu'elle finisse. Elle a attendu le traitement de sa fille, mais la dame a refusé de l'aider. Elle l'a même chassée. Des gens de l'église sont également venus et ont prié pour ses bébés.
Elle avait presque refusé à cause des défis qu'elle avait traversés dans sa vie. Mais cette fois-ci, ils étaient corrects. Ils l'ont aidé et ils ont emmené son enfant à l'hôpital. Les médecins ont inséré un tube dans sa tête et ont drainé le liquide. Ce qui n'a pas fonctionné pour longtemps, car le bébé ne mangeait pas et devenait de plus en plus maigre. Cette femme passe par des moments difficiles pour trouver de la nourriture pour ses enfants. Elle doit aller dans la rue tous les jours pour vendre des bonbons et en mendiant de l'argent. Étonnamment, elle doit sortir pour aller travailler avec Maria, parce qu'elle ne peut pas du tout la laisser à la maison. Porter Maria est très difficile parce qu'elle est très lourde. Elle dit que lorsque Maria est tombée malade, elle ne comprenait rien en ce qui s'est passé. Elle a dit beaucoup de mauvaises choses à Dieu qu'elle regrette aujourd'hui, pour lesquelles elle demande pardon. Elle a l'espoir qu'un jour sa fille ira mieux, mais parfois elle perd ses grains d'espoir. Elle demande de l'aide pour pouvoir amener sa fille se faire soigner à l'étranger, car le médecin a dit que dans ce pays, il ne pourra rien faire pour elle. Pour les aider à se payer un traitement avant qu'il ne soit trop tard, vous pouvez faire un don grâce au lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et en commentaire épinglé. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne plus rien rater de la sortie de nos prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.